Salut mes amis, c'est Daftory. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau The Walking Dead News. Donc, The Walking Dead News épisode 3. Vous avez vu, je fais pas beaucoup de vidéos. Comme je vous ai déjà dit sur ma dernière vidéo, il y a 4 semaines, j'adore ce rythme de vidéos sur cette chaîne YouTube. Pas beaucoup de vidéos, un peu de vidéos, je reste actif, mais très très peu de vidéos sur cette chaîne. Et j'aime bien ce rythme. C'est pas que j'aime pas vous faire des vidéos sur cette chaîne, c'est juste que j'aime bien ce rythme. Pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne, car ce n'est qu'une chaîne secondaire. C'est parti pour un nouveau The Walking Dead News. Et comme c'est la fin de la saison 7, on va parler de la saison 8 et qu'est-ce qu'elle entreprend et les prochaines théories qui arriveront dessus et quel acteur va mourir ou quelle théorie va arriver et pour la fin de la série. Alors les prochains The Walking Dead News seront beaucoup plus détaillés que les derniers. Les deux premiers étaient les tests pour voir si vous aimez bien et vous avez l'air de bien aimer car j'ai pas mal de commentaires Facebook qui parlent que c'est pas mal et il y a pas mal de partages. Donc voilà, c'est parti pour The Walking Dead News épisode 3. Alors la baisse est comme j'ai dit, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà, depuis le début de la saison 7, la série est en baisse d'audience, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de personnes qui regardent la série. Donc est-ce que ça annoncerait la fin de la série pour une saison 8? Imaginez une fin malheur pour Rick, imaginez la guerre se finit à la fin de la saison 8, ça serait long quand même, mais pourquoi pas, et c'est la mort de Rick, Negan gagnerait, imaginez-vous ça, je pense pas que ça va arriver, mais pourquoi pas, si c'est en baisse d'audience, ça peut peut-être faire arrêter la série, mais franchement je pense pas. Ensuite on a la confirmation que la saison 8 arrivera fin d'année comme d'habitude, donc préparez vos chaînes OCS et pour les Américains IMC pour fin octobre 2017. Voilà, donc les épisodes reprendront fin octobre 2017 tous les lundis sur OCS Choc et tous les dimanches soirs sur IMC en Amérique. Voilà mes amis, c'est la fin de ce The Walking Dead News épisode 3. On se retrouve dans pas mal de temps pour une prochaine théorie, un prochain The Walking Dead News. Vous verrez bien. Reste dans moi, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. C'était Dark Theory. À bientôt mes amis. Salut les vendeurs.